Je suis le promoteur du complexe Pastoral Technologie, une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'élevage de A jusqu'à Z. Ici, on est dans le bâtiment de démarrage des poussins. Ça, c'est un arrivage de 1500 têtes. Avec cette vague, on a eu un peu de la chance parce que les autres arrivages, dès le premier jour, on peut avoir une grande mortalité de 30 à 50. Mais avec cet arrivage, on a eu deux seulement comme mortels. Nous sommes à la provenderie du complexe Pastoral Technologie. Initialement, cette provenderie, c'était pour la fabrication de l'aliment pour mes volailles. Mais par la suite, on a commencé à produire l'aliment pour d'autres fermiers. Dans cette provenderie, il y a l'aliment poussin, il y a l'aliment poulet, il y a l'aliment pondeuse et puis il y a l'aliment chair. Un jour, on échangeait, on nous dit que comme nous, on fait l'élevage à la maison et c'est juste pour la consommation. Si vraiment c'est pour chercher l'argent, il va nous donner coup de main. C'est comme ça que c'est parti. Et j'ai vu que bon, chaque nuit, il est là, il nettoie. Mais il était vraiment accroché à ça, comme c'était son choix. C'est lui-même qui a voulu mener l'activité. Nous, on la laisse évoluer dedans. J'ai commencé avec une somme de 45 000 francs. J'ai payé d'abord une couveuse manuelle d'une capacité de 50 œufs et une plaquette d'œufs de caille qu'on a incubée pour moi. J'ai récupéré les cailloux, j'ai élevé. J'ai commencé à avoir des petits revenus. Je me dis pourquoi ne pas quitter les cailles, aller au niveau des poulets. On a commencé à la maison petit à petit. Et à un certain niveau, il n'y avait plus assez d'espace à la maison. J'ai eu l'idée maintenant de louer une ferme pour pouvoir travailler. Quand je commence les locations, je travaille un mois, deux mois. Ils viennent me dire qu'ils ont besoin de la ferme pour faire ça. Je suis obligé de changer un autre coin. En temps, j'ai dit, bon, même je vais prendre mon courage à deux mains, essayer d'avoir un terrain et puis essayer de construire une ferme. À travers la vente de mes sujets, j'ai pu acquérir trois terrains. Je suis en train de construire mon poulailler, un bâtiment de 200 tôles avec une capacité qui peut prendre en moyenne entre 2000 à 3000 têtes de sujets. À 22 ans, être chef d'entreprise, c'est compliqué. Vu l'âge que j'ai, il y a des gens qui viennent au moulin, ils viennent dire « Ah, c'est un petit. Alors, comment je peux travailler avec un petit? Comment je peux faire confiance à un bébé ?» Quand ils disent ça, moi, je souris. L'élevage, c'est une activité qui nourrit son homme. Et j'encourage tous les jeunes à se lancer dans cette activité. Car c'est une activité qui est réellement rentable si on met du sérieux.